Interviewé par Téléstar à l'occasion de son passage sur le plateau des Grosses Têtes le 18 mars 2023, le danseur et chorégraphe Kamel Wally s'est confié sur l'une de ses meneuses de revue, Jade Chantel, qui est aussi la nouvelle compagne du journaliste Harry Roselmack. Après 20 ans de relation, Harry Roselmack annonçait en juillet 2022 son divorce avec Christlaine, épouse et mère de leurs trois enfants. De nature discrète, le présentateur de 7 à 8 sur TF1 a tout de même tenu à s'exprimer sur cette séparation qui allait attiser la curiosité du public. Sur Instagram, il avait fait quelques confidences au sujet de la fin de leur histoire, comme beaucoup de choses en ce monde, l'amour naît, évolue, meurt parfois. Si est-ce ainsi qu'une histoire d'amour peut évoluer au point où l'on considère qu'elle est terminée? La nôtre à Christlaine et à moi a connu un tournant majeur en janvier 2017 lorsque notre séparation a eu lieu. Le journaliste a ensuite ajouté qu'un lien profond, d'affection et de respect, l'unit toujours à Christlaine. Trois mois après que l'annonce de leur divorce eût été rendue publique par son ex-femme, Harry Roselmack présentait sa nouvelle compagne. Lors d'un événement Dior organisé par la maison de haute couture à l'occasion de la Fashion Week à Paris, le journaliste s'affichait fièrement au bras de sa chérie, Jade Chantel. Chanteuse de métier, la jeune femme de 24 ans, sa cadette, s'est lancée dans une nouvelle aventure au mois de février 2023, elle est désormais meneuse de revue au Paradis Latin, œuvrant au sein du spectacle L'Oiseau du Paradis, signé Kamel Wally. À l'occasion de son passage sur le plateau des Grosses Têtes ce samedi 18 mars 2023, le danseur et chorégraphe s'est confié au sujet de sa nouvelle recrue auprès de Téléstar. Elle a un don inné pour la comédie et une plastique incroyable. Kamel Wally a eu la chance de collaborer avec de multiples artistes au sein de sa carrière. Il reste néanmoins épaté par le talent de Jade Chantel, qui fête ses 26 ans cette année. Jade chante très bien. Elle a un don inné pour la comédie et une plastique incroyable. Si est-il la meneuse de revue que l'on rêverait tous d'avoir, a-t-il dit, sans cacher ses doutes initiaux. J'avoue qu'au début, je n'y croyais pas du tout, car il me semblait impossible qu'elle puisse cumuler tout ça. A-t-il déclaré, cash. Interrogé sur un autre sujet d'actualité, à savoir le retour de la Star Academy, l'ancien professeur de danse s'est montré tout aussi direct. Je n'ai pas regardé mais... Kamel Wally a révélé ne pas avoir regardé la saison 10 de la Star Academy sur TF1, non pas par choix mais parce que l'émission ne passait pas aux heures où il était devant la télé. De plus, il ne connaissait pas les nouveaux professeurs, hormis Yanis Marshall, le professeur de danse. Le chorégraphe s'est tout de même réjoui de voir le retour de cette émission emblématique de la chaîne, mais je trouve génial que la Star Academy soit revenue à l'écran. Article écrit en collaboration avec 6 médias à lire aussi Harry Roselmack, qui est sa compagne, la meneuse de revue Jade Chantel ?